tell me where the freak's at. Quand je faisais des bêtises et que mon papa me grondait, après quand j'étais fâchée, j'avais les boules, tout ça, il me chantait une petite chanson, il me disait « Ah, la gare, kovete, kasi kumbo ». Vraiment ça, c'est là quoi, c'est high level. Bon, ça dépend, il y a des lagare impolis, mais moi je ne me sens pas concernée, je ne suis pas impolie, je suis un peu capricieuse, mais bon, je ne suis pas impolie. Donc, je suis célibataire aussi. Voilà. Vous pouvez venir, n'ayez pas peur. C'est de toujours croire en soi. C'est qu'un jour, lors d'un tournage, on avait invité une artiste qui n'est pas finalement venue alors que l'équipe était là. Voilà, c'était une grosse production, les moyens étaient là, le budget était déjà dépensé et l'artiste n'est pas venu. Sauf que c'est dommage quoi, les artistes maliens, c'est un peu. Les techniciens me font des choses, genre les techniciens sont disent éteins le micro, ou bien le gars de la caméra dit tiens-toi comme ça, trop de pression, ça j'aime pas trop. C'est de se voir applaudir quand tu sors toute belle. Déjà, tu sais que tu es belle, mais quand le public t'acclame, tu sais que vraiment ça va quoi. Tu as aimé tout ça. Le taximan, il s'immisce dans ta conversation téléphonique. Déjà, quand tu déposes ton téléphone, ah, ce que tu disais là, c'est la vérité. C'est quelle vérité on t'a demandé? C'est quelle vérité? J'ai passé 8 jours là-bas. Des gens formidables, bien vrai que on parlait pas la même langue, eux ils parlaient peul, moi je parlais bambara, mais j'étais avec ma meilleure amie qui le chef du village qui a été assassiné était son grand-père, donc elle traduisait, mais c'était des gens formidables et je pense que ils ne méritaient pas ça en fait, c'est terrible.